Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est regarder comment on élève un nombre complexe à la puissance n. Donc ici, eh j'ai un nombre complexe sous sa forme polaire en bleu et je l'élève à la puissance 20. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà représenter ce nombre complexe-là en bleu et représenter le nombre complexe euh, élevé à la puissance 20. Donc ici, c'est la forme polaire de petit r égale à 1 et de θ égale à 2 tiers de pi. Donc la manière dont on représente ça dans le plan complexe, c'est euh, déjà on va regarder le plan complexe et on va voir que on a donc des lignes euh, ici des droites qui séparent le plan complexe euh, en petits angles égaux. Donc combien de lignes on a Eh bien on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc ici et eh bien 12 sur euh, la partie positive du plan complexe, ça veut dire que chacun de ces angles là eh c'est pi sur 12. Donc 2 tiers de pi c'est combien de fois pi sur 12 Et eh bien il suffit juste de mettre cette fraction là sur le dénominateur 12. Donc qu'est-ce que ça va faire ben, Je vais multiplier par 4 en haut et en bas, donc 2 fois 4, 8 sur 12 pi. Donc je dois aller à 8 de ces petits angles euh, depuis eh l'axe des réels. donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mon point va être ici et je sais que euh, le, la distance de mon point par rapport à l'origine c'est 1. Donc ça va être une graduation dans ce sens-là. Donc le point va être ici. Donc ça c'est mon point bleu. Et maintenant, comment je fais pour l'élever à la puissance 20 Et eh bien pour ça, en fait, il suffit juste que je me rappelle de la formule de l'air. Donc la formule de l'air, qu'est-ce que c'est C'est exponentielle de iθ est égal à cosinus theta plus i sinθ. Donc eh bien, si je transforme cette forme polaire sous sa forme exponentielle, je vais avoir exponentielle de i2 tiers de π et tout ceci eh bien encore à la puissance 20. Donc ici eh bien je vois que ça va être beaucoup plus facile d'élever ce nombre là à la puissance sous cette forme là puisque je peux tout simplement ici appliquer eh bien les propriétés de la puissance. Donc ici en fait ce que j'aurai c'est exponentiel de 20 fois i de 2 tiers de pi. Et donc ça eh bien ça me fait exponentiel de i de 40 sur 3π. Donc maintenant, on va essayer de représenter ce nombre-là en rouge. Donc il nous faut savoir l'angle ici. Et on a donc 40 sur 3π, qui semble être un angle très 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 grand. Parce que 40 sur 3 pi, qu'est-ce que c'est 40 sur 3π, eh bien c'est 13, 1 tiers de tout ça, π. Et donc, est-ce que je peux simplifier cet angle Mais Je sais qu'en fait, 2π radians, c'est un tour complet de ce diagramme-là. Donc ici, je vais essayer d'enlever euh, le maximum de 2π radians de ce nombre-là pour avoir l'angle sous sa forme la plus simple possible. Donc 13 1 tiers de pi, qu'est-ce que c'est ben, Je vais essayer de, de enlever le maximum de multiples de 2π de ce nombre-là. Donc je vais essayer d'enlever ici, je vois que je peux enlever 12 pi. Donc 13 1 tiers de pi moins 12pi, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça va me faire 1, 2, 1 tiers de pi. Donc mon nombre ici, ça va être exponentiel de i 4 tiers de pi. Donc 1, 1 tiers, 4 tiers ici. Donc ce que je vois, c'est que mon nombre en rouge par rapport à mon nombre en bleu ici, c'est 2 tiers de pi en plus que ce nombre-là. Donc en fait, c'est comme si j'allais de 8 graduations à partir de ce nombre-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc mon nombre est ici là et maintenant si je te demande de me dessiner eh bien ce nombre là mais élevé à la puissance 21 qu'est ce que ça va être Eh bien si c'est élevé à la puissance 21 ça veut dire que ici à la place donc de 20 j'aurais avoir 21 donc je vais euh, multiplier une fois de plus par 2 tiers de pi ici donc je vais ajouter ici 2 tiers de pi donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisque 2 tiers de pi, donc c'est 8 π sur 12. Donc ça, et eh bien ce sera euh, ce nombre-là à la puissance 21. Et en fait, on peut voir quelque chose d'assez marrant ici, c'est que eh bien, mon nombre là en bleu, j'ai commencé avec ce nombre-là, c'est ce nombre là élevé à la puissance 1. Si je l'élève à la puissance 2, eh bien je vais ajouter 2 tiers de pi à l'angle, donc je vais ajouter 8 graduations, donc je vais me retrouver là. Si je, si je l'élève ce nombre là à la puissance 3, et eh bien je vais rajouter encore 2 tiers de pi, et je vais me retrouver ici, à la puissance 4 ici, puissance 5, puissance 6, puissance 7, puissance 8, puissance 9, puissance 10, puissance 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et 20, je vais donc me retrouver ici comme je l'ai calculé. Et 21, bien sûr, avec ce violet euh, ici.